Vous cherchez un filtre qui remplit sa fonction tout en passant inaperçu dans l'aquarium, qui assure une eau claire comme du cristal et qui en plus élimine les toxines? Alors, vous avez fait le bon choix en sélectionnant JBL Crystal Profi E. Choisissez la taille de JBL Crystal Profi E qui correspond à celle de votre aquarium. Quatre modèles sont à votre disposition. Vous trouverez sur le côté de la boîte un tableau indiquant les tailles du filtre interne correspondant à celle de l'aquarium. Par exemple, JBL Crystal Profi E100 convient pour les bacs de 80 à 150 litres. Ou si vous préférez vous orienter avec la longueur de votre aquarium, pour les bacs de 80 à 100 cm. Au premier coup d'œil déjà, certains avantages propres à JBL Crystal Profi E sont clairement visibles. Des fixations magnétiques puissantes à l'extérieur de l'aquarium assurent une immobilisation du filtre à sa place. Ainsi, les ventouses peu pratiques et peu durables sont superflues. Les aimants offrent un avantage supplémentaire. Il n'y a pas d'interstice entre le dos du filtre et la vitre du bac susceptible d'accumuler des déchets ou de coincer des poissons. Au niveau de la tête de la pompe, le débit de l'eau est réglable. La puissance de la pompe est ajustable de manière simple et la direction du jet de sortie peut être modifiée. Néanmoins, les principaux avantages résident à l'intérieur du filtre. Si vous avez besoin un jour d'un matériau de filtration spécial, vous avez toute une gamme de masses filtrantes JBL à votre disposition. Ainsi, vous pouvez utiliser de manière très simple des masses filtrantes, comme par exemple le charbon actif, destiné à résoudre un problème particulier. La cartouche de charbon actif est introduite dans le module de filtration à la place de la mousse, et voilà! Lorsque vous sortez le filtre de l'eau pour le nettoyer, des parois transversales évitent l'écoulement de l'eau sale dans l'aquarium. L'eau du filtre ne peut ressortir du boîtier qu'après avoir traversé les masses filtrantes grâce à une valve. Il vous suffit d'attendre quelques secondes jusqu'à la fin de l'écoulement de l'eau hors du filtre. Ensuite, vous pouvez nettoyer ou tout simplement remplacer les blocs de mousse. Avant de redémarrer le filtre, JBL Filter Start permet d'activer la masse de filtration avec des bactéries vivantes capables de dégrader les toxines. Après le nettoyage, le filtre est tout simplement remis dans sa position initiale. La procédure n'a encore jamais été aussi rapide, simple et confortable. À présent, voyons encore une fois comment fonctionne l'épuration de l'eau dans le filtre JBL Crystal Profi E. L'eau de votre aquarium est aspirée par la fente extérieure du filtre. Ensuite, elle coule le long des parois transversales de rétention et atteint les masses filtrantes de grande dimension. Les déchets y sont retenus et dégradés par les bactéries. Puis, l'eau est aspirée par la pompe dans le tuyau central et rejetée dans l'aquarium. Au niveau de la sortie de l'eau dans l'aquarium, vous pouvez choisir de nombreux accessoires. Souhaitez-vous un fort taux d'oxygénation? Dans ce cas, une buse de sortie multijet est indiquée. Voulez-vous au contraire une surface d'eau calme afin de ralentir la perte de CO2 pour favoriser la croissance des plantes? Alors, une buse de sortie à jet plat est le bon choix. Un diffuseur est livré avec chaque JBL Crystal Profi E pour l'aspiration et le mélange d'air au débit de sortie d'eau. En cas de besoin, votre JBL Crystal Profi E peut même être agrandi. Lors de l'acquisition d'un aquarium plus grand ou de l'augmentation de la population de poissons, des situations qui sollicitent plus intensément le filtre, vous pouvez tout simplement agrandir votre filtre JBL avec un ou plusieurs modules de filtration. Comme déjà mentionné, une large gamme de masses filtrantes est à votre disposition. En cas de problème d'algues indésirables, la solution ne réside pas forcément dans les produits algicides. Éliminez tout simplement les phosphates et les nitrates qui sont des nutriments pour les algues grâce à JBL Phos-X Ultra et JBL Bionitrate-X. Pour une eau tropicale proche des biotopes naturels, un granulat de tourbe active est à votre disposition. Quant à JBL ClearMec, il s'agit d'une solution universelle à de nombreux problèmes. Ce produit capture les nitrites, les nitrates et les phosphates.
Vous éliminerez les résidus de médicaments de manière fiable avec le charbon actif JBL Carbomec Ultra. Si vous avez besoin d'augmenter les performances de dégradation biologique de votre filtre en raison d'une augmentation du nombre de poissons ou d'une reproduction, tournez-vous vers JBL Micromec Mini, des billes à haute capacité de filtration dont les performances sont deux fois supérieures à celles de la mousse. Voici un résumé des avantages de la série JBL Crystal Profi E. Discret, la forme discrète et la couleur neutre rendent le filtre presque invisible. Pratique, les fixations aimantées assurent le maintien du filtre interne JBL sans ventouse incommode et sans interstice entre le dos du filtre et la vitre de l'aquarium. Propre, lors du nettoyage, l'eau sale ne peut ressortir du filtre qu'une fois épurée. Confortable. Le débit et la direction du jet de sortie peuvent être ajustés. Complet. Un gabarit vous montre la position exacte des aimants à l'extérieur de l'aquarium et une large gamme d'accessoires vous offre un grand choix de variantes pour la sortie de l'eau. Garantie. 4 ans de garantie sans souci démontrent notre confiance dans la qualité JBL. Avec JBL Crystal Profi E, vous n'achetez pas un filtre, mais la garantie d'une eau propre.